L'année 2014 fut une année rude. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. L'année 2008 s'achève. Elle a été rude. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 1976 a été plus difficile que nous ne l'imaginions. L'année 1974 risque d'être difficile. Est-ce que l'éloquence politique existe à la télévision ? Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce groupe et ce Carteron que vous ayez effectué en tant que président. J'ai récuré les chiottes du gala avec une brosse à dents. S'occuper du boulot de Rome après une pastis pétanque, c'est fortement dégueulasse. Ouais. Nettoyer les chiottes de la wall-to-wall avec un gant seulement au lieu d'en avoir deux. Quoi. Diriger une bande de respos de merde. En tant que dictateur, quel serait votre hymne ? Des grosses putes, du champagne, des putes du champagne. Couvrez-vous, ça va tirer. Être président, c'est du travail ou du plaisir ? Beaucoup de plaisir, surtout avec les RA. Nous avons dit dès le début que nous devions choisir un chemin. Soit celui de la confrontation, soit celui de la coopération. Nous ne pouvons pas avoir un peu des deux. Si nous empruntons le chemin de la confrontation, les États-Unis et les Nations Unies continueront les sanctions et l'Iran continuera son programme d'enrichissement sans aucune limite. Great England Prime Minister Nigel Farage has announced the success of the new President of France, Marine Le Pen, declared a state of emergency. Greece has unilaterally cancelled all of the country's debt. Fierce fighting in Vienna, the advance of the Islamic State seems unstoppable. Europe has an identity crisis and nobody's solving the problem. Il y a une colère immense et à mes yeux très large. Rioting, looting and civil disorder is escalating across Europe after the shooting of protesters in Rome. What we are now confronting is one of the most important moments in European history. À Varsovie, la vieille ville se réveille doucement. L'automne a porté au pouvoir un gouvernement de droite ultra-conservateur, et cet hiver est celui des changements radicaux. Richard Petrou est inquiet. Le patron du principal parti d'opposition polonais écoute avec attention les discussions à Bruxelles. Le tableau est plus grave que ce qu'il n'y paraît. La situation est inédite. L'Union européenne a lancé à l'encontre de la Pologne une procédure de sauvegarde de l'état de droit, après la mainmise du pouvoir sur la justice et les médias. Je partage avec elle le goût de la littérature, le fait de nous être croisés, j'espère que ça arrivera encore, dans des concerts, à l'opéra, pour le ballet, et pour parler aussi tout simplement de la sève de la vie, c'est-à-dire la culture. Donc, elle va manquer, bien sûr, au gouvernement. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle l'aimait en bateau. Yeah. Quand je la vois danser le soir, yeah. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Chasseur ou cueilleur ?
Chasseurs-cueilleurs, moi j'ai bien les aimé, j'ai lu des bouquins comme quoi les chasseurs-cueilleurs avaient un niveau de vie tout aussi acceptable que nous maintenant, alors qu'ils étaient dénués de biens matériaux. Ouais. Chasseurs-cueilleurs. Ouais, ouais. Puis c'est, voyez, moi c'est l'aspect aussi nudité que j'aime bien. Ah, oui. Voilà, j'aime bien cacher juste les bourses. Ah oui, les deux. Légèreté. Forceur. Forceur. Chasseur. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre, qui seriez-vous? Ah, moi je dirais Mandela. Voilà, parce que j'ai toujours rêvé d'être noir et Mandela c'est un dessin. Ça doit être sympa d'être Sophie Omblard parfois. Nerson. En baie de Somme, les phoques représentent 60% des effectifs en France. Pourtant, ils avaient presque disparu au siècle dernier. Une association, Picardie Nature, accompagne depuis plus de 20 ans ce retour qui reste fragile. La dernière fois que j'ai bouffé du phoque, c'était en 1947, et j'ai tout gerbé dans l'évier. 0%. 99%. 99, ouais. Ouais, je suis chez honnête. Ouais, je suis aussi, ouais, c'est vrai. C'est... 8 sur 10. 1000. Comme House of Cards, je dirais. Je sais pas, 28 degrés. Je suis honnête. Je suis quand même honnête. Question suivante. Je suis très honnête. 5.